le monde, c'est Apollon. Aujourd'hui, on se retrouve pour la boutique du 13 avril 2023. Avant que celle-ci commence, n'hésitez pas à me soutenir en mettant le code créateur KTT dans la boutique Fortnite. Merci à tous ceux qui le feront et n'hésitez pas à liker celle-ci. Du coup, on a le retour du pack Avant-Garde Anguleuse pour 2300 V-Bucks. On a du coup deux skins, leur sac à dos, la pioche et le planeur. Séparément, c'est 1500 V-Bucks, 1500 V-Bucks, 800 V-Bucks, 800 V-Bucks. On enchaîne directement avec le pack Mutique pour 1500 V-Bucks avec le skin, la pioche et le camouflage. Séparément, c'est 1200 V-Bucks, 500 V-Bucks et 300 V-Bucks. Également, dites-moi ce que vous pensez des skins SNK. Pour ma part, ça va, je les aime bien. Et comparé à ce qu'on a pu voir, je trouve que le skin Levi est un peu moins bien fait que celui de Mikasa pour finir au début sur les trailers, tout ça. Je crois que celui de Mikasa était moins bien fait, mais au fait, pour le coup, je suis étonné, c'est le contraire. Après, pour les armes, tout ça, je les trouve excellentes. J'adore les jouer et je fais n'importe avec dès que je les utilise. Mais voilà, après, c'est dommage qu'on n'a pas eu un peu des défis avec un peu comme d'autres collabs. Pas ça comparé à d'autres collabs comme Naruto, DBZ ou MHA, on n'avait pas de skin secret en plus. Là, on a un skin secret, alors ça peut compenser. En vrai, si on a une petite émoticône à gagner avec en faisant des défis et un autre truc avec Levi. Sinon, à part ça, voilà. Mais sinon, on va dire dans l'ensemble, que ce soit les skins ou la collab, ça va. Je suis assez contente de celle-ci. Et puis là, du coup, on a encore tout ce qui est en rapport avec les collabs. On avait encore SNK plus haut. Et là, tout ce qui est avec Montesson. Voilà. Franchement, je passe parce qu'on les connaît. C'est là depuis bientôt 2 semaines. C'est plus intéressant à voir. On a les packs de Fortnite et le club de Fortnite. Du coup, n'hésitez pas à noter cette boutique sur 10. Pour ma part, ça va être un petit 6 sur 10. C'était Apollon. À plus tout le monde!